Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto alliage avancé où aujourd'hui on va parler Inconel. Pour cet alliage, on n'aura aucun problème de température puisqu'une température minimale de 600 Kelvin suffit et que la température maximale n'est pas un souci. Par contre, on aura un souci d'un point de vue pression. La pression maximale est de 24 MPa alors que la minimale n'est que de 23,5 MPa, donc une fourchette de pression très faible. La composition de cet alliage, c'est 2 d'or, 1 d'acier et 1 de nickel. On va commencer tout de suite par une petite fonte de 50 g. Pour celle-là, donc, je prends 2 minerais d'or de 50 g, un lingot d'acier de 50 g et un minerai de nickel de 50 g. L'approche la plus simple pour obtenir cet alliage, je trouve que c'est de charger suffisamment la fournaise pour obtenir, après traitement des minerais, une pression légèrement supérieure à la pression cible, puis patienter simplement qu'avec la chute de température, la pression diminue proportionnellement. Par habitude, j'aime bien mettre 1,2 MPa environ de fioul à 0 degré. Ça me permet après traitement d'être juste en dessous des 27 MPa et de ne pas avoir à trop attendre la baisse de température pour pouvoir sortir mon lingot. La température chutant, notre pression chute proportionnellement et dès que l'on atteint nos 24 MPa, on peut sortir notre lingot d'Inconel. On tire sur la manette et le tour est joué. Dans le cadre d'une grosse fonte, pour faire 500 g d'Inconel, on va avoir besoin de 20 minerais d'or de 50 g, donc 1 kg d'or en minerai, également 500 g d'acier, donc un lingot de 500 g, et enfin 500 g de nickel, donc 10 minerais de nickel de 50 g. Pour gagner du temps sur cette vidéo, j'ai déjà mis dans mes chutes les 20 minerais d'or, ainsi que quelques minerais de nickel. Donc, on va pouvoir démarrer notre fonte avec exactement les mêmes paramètres, 1200 kPa de fioul à 0 degré. Cette fois-ci, non pas pour obtenir directement notre pression cible, mais pour avoir en fin de traitement une température toujours supérieure à 600 Kelvin. Au fur et à mesure du traitement de l'or, je rajoute mes minerais nickel qui manquent, ainsi que mon lingot d'acier de 500 g. Je prends mon mal en patience pendant ce très long traitement que je vous passe en accéléré. En arrivant vers la fin du traitement, je vois que ma température est toujours bonne, mais que ma pression est trop élevée. Je commence gentiment à purger, très délicatement, jusqu'à la fin du traitement. Une fois le traitement terminé, je purge encore plus délicatement afin d'obtenir ma pression cible de 24 MPa. La fournaise m'indique que je peux récupérer mon Inconel, je tire sur la manette et le tour est joué. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que Inconel n'aura plus de secret pour vous. N'hésitez pas à faire part de vos remarques en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord, à venir voir les lives sur Twitch et à regarder toutes les autres vidéos que je peux vous proposer. Allez, encore une fois, merci à vous. Et à très bientôt. Ciao.